Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prie tout d'abord, avant toute chose, de bien vouloir m'excuser pour ce retard. Simplement un petit souci technique à nouveau. Voilà. La matinée a été fort compliquée avec la technique qui s'en est prise à moi aujourd'hui. Du coup, voilà, je tiens à m'excuser pour ces presque 10 minutes de retard. Je suis vraiment désolée. C'est un petit peu compliqué. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver et je vois avec bonheur et délectation que cette semaine, j'ai accès à vos commentaires. Donc, je sais que je vais me sentir beaucoup moins seule pour ce live. Bienvenue. Super. Bonjour Noël, Patricia, Sandrine, Marie, Sandrine, Yvette, coucou à toutes celles déjà que j'ai vues passer et que je n'ai pas eu le temps de saluer. Coucou Patricia, c'est génial. Ah, je suis vraiment très très soulagée de pouvoir voir vos commentaires, ça va être quand même drôlement plus agréable de pouvoir partager ce live avec vous, en pouvant échanger avec vous, parce que la semaine dernière c'était... Oh là là, très très triste pour moi de pas avoir vos retours, de pas pouvoir échanger. Coucou Claude, bonjour Dominique, bonjour Catherine. Je fais une petite aparté, Sandrine, est-ce que tu peux taguer Fabienne, s'il te plaît, qui a eu un souci la semaine dernière. Merci ma biche. Coucou Martine, coucou Ascotelia, coucou Marotine. Bon super, je vois que ça a l'air de fonctionner. Plutôt bien, plutôt normalement, je vois vos commentaires, vous avez l'air d'être assez nombreux, donc c'est parfait, je suis très contente. Coucou Sabine, ah merci beaucoup pour le soleil, avec grand plaisir. En ce moment on alterne beaucoup la pluie, le soleil, puis la pluie, puis le vent, puis le soleil, et c'est reparti pour un tour. Bonjour Noël Garand, bienvenue. Bonjour Nadine. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis donc Harmonie Marais. Je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis janvier 2020. Et chaque semaine, j'ai le bonheur de vous retrouver chaque mercredi à 14h, ou presque, hein, on parle pas d'aujourd'hui, pour un live créatif. Voilà, je vous propose des projets plus ou moins différents, qui sont adaptables à plein d'occasions, qui sont accessibles à tous les niveaux de scrap selon les projets. Voilà, j'essaye d'alterner pour les débutants, pour les plus passionnés. Voilà, on essaye de satisfaire tout le monde au mieux en tout cas. Et donc cette semaine, je vais vous proposer une carte, vous allez voir, qui est hyper simple à faire. Et puis vous verrez qu'on peut utiliser plein de décos différentes, donc ça va être super sympa. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui me rejoignent aujourd'hui pour la première fois. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie et en la compagnie des chippies qui sont déjà présentes et puis de toutes les autres personnes qui me font le bonheur d'être présents à ces lives. N'hésitez pas à vous manifester si c'est la première fois. Coucou Nati, oui c'est gentil, c'est le rouge qui fait ça. Mais c'est gentil, ça me fait plaisir. Donc voilà, si vous arrivez pour la première fois, si vous ne me connaissez pas, si vous voulez en savoir un peu plus, vous poser n'importe quelle question, que ce soit sur moi, mon activité, le live, la création, les produits, peu importe, n'hésitez pas, je suis là pour ça, donc on est... Ah, Muriel, je te sens en forme déjà. Gaëlle, je suis ravie aussi, hein, comme Sandrine, de te voir ici, c'est un vrai plaisir. Coucou ma Laurence. Martine, je viens de recevoir les Incolor, c'est magnifique. Ah, le club des Incolor. Bon bah super, ça a l'air d'arriver aujourd'hui, donc ouf, je suis contente. Bonjour Lulu. Alors, je vais essayer d'être claire, succincte, pour ne pas vous faire perdre trop le temps. Merci Nati, tu vas voir, tu vas me faire plus ça va aller, plus mes joues vont devenir de la couleur de mon pull si tu continues. Bonjour Patricia, j'espère que ça va bien. Vous le savez, le mois de mai est un énorme mois chez Stampin' Up. D'abord, dans un premier temps, puisque nous avons eu la sortie du catalogue annuel le 4 mai. Bonjour Chantal, bienvenue. Donc, un catalogue qui est juste magnifique, qui contient des collections
toutes plus belles les unes que les autres. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup parmi vous qui ont déjà craqué, d'autres qui prennent le temps de découvrir. D'ailleurs, en parlant de découverte, vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, je fais des portes ouvertes virtuelles. Et demain aura lieu donc le 4e épisode de mes portes ouvertes virtuelles. Donc il a lieu donc sur un groupe privé qui s'appelle les portes ouvertes virtuelles by Harmony Scrap. Donc l'épisode de demain aura lieu à 18h30 sur le groupe. Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, n'hésitez pas. Il est donc sur Facebook. Oui, le fait de voir vos commentaires me fait un vrai bien, vraiment. J'ai très très mal vécu la semaine dernière de ne pas avoir vos retours. C'était très compliqué. Vivi, j'attends la fête des mères, pourquoi ? Pas de problème, bonne idée ça. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, pour le groupe privé des portes ouvertes virtuelles. 4e épisode jeudi à 18h30 sur le groupe. Attention par contre, Nati, on voit ça tout à l'heure ma belle. Par contre, il y a des questions auxquelles il faut répondre et ces questions sont, enfin, les réponses à ces questions sont obligatoires, ainsi que l'acceptation des règles. Je ne peux pas accepter votre adhésion dans le cas contraire, donc prenez bien le temps de lire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et puis donc sortie du catalogue, mais également plein de promos et notamment une promo qui me tient à cœur, c'est celle pour les nouvelles démonstratrices. Stampin' Up! A fait force ce mois-ci puisqu'il vous propose jusqu'au 31 mai une super promo si jamais vous avez envie soit d'avoir une activité complémentaire, pourquoi pas, ou simplement pour continuer à accroître votre passion pour les produits Stampin' Up! En pouvant les acquérir avec des réductions à chacune de vos commandes. Donc ça, cette promo-là, attention, elle ne dure que jusqu'au 31 mai. Voilà, donc je vous mets à l'écran une possibilité de panier, puisque là, Stampin' Up! Vous propose d'acquérir les produits pour 129€ en choisissant 207. Pour 207€, donc ça vaut vraiment le coup. Et puis du coup, si vous devenez démo et que vous me choisissez comme marraine, vous ferez partie de mon équipe et ça me fera un vrai plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à sauter le pas si ça vous tente. Moi je vous accueillerai avec grand plaisir. Voilà, voilà, mais attention, hein, que c'est jusqu'au 31 mai seulement. Après il sera toujours temps de prendre le temps de rejoindre l'équipe, ça y a aucun souci. Simplement, en ce moment, c'est quand même super intéressant. Donc voilà, j'en viens maintenant à notre projet du jour, donc la fameuse carte à pliage original. Vous allez voir, quelques plis, une coupe, et ça sera réglé. Et puis vous verrez que vous pourrez aussi choisir en fait la disposition de vos papiers design. Donc ça peut être très simple. Et puis, alors là, question déco, tout est possible. Alors je vous la remontre comme ceci, voilà. Là, c'est la vue sur le côté, enfin sur le dessus du coup, plus précisément. Coucou Mumu, comment ça va ma belle? Voilà, voilà, donc ça c'est quand elle est ouverte en grand. Hop. Et puis du coup, quand vous l'offrez, la personne peut la poser pour la mettre en exposition. Donc ça c'est assez sympa. Alors, je vais retourner ma caméra et du coup, on va passer à la création de cette petite carte. Donc vous l'avez vu, j'ai fait donc la première carte avec une collection qui fait partie donc du nouveau catalogue annuel qui s'appelle Éloquence Simple, qui est chère au cœur de ma petite Cathy, pour qui je fais un petit clin d'œil. Voilà, une collection magnifique dans les tons de gris souris, très vanille, cuivre, noir, vraiment. Ah bah du coup, ouais, il y a un souci. Bon bah ok, je vais voir ça. Oui, c'est ça ma routine, la page 68 du catalogue. Cette superbe collection dédicace à la Cathy, Titia, oui, je suis bien d'accord. Donc voilà cette carte, vous avez vu, elle va être super simple. Des tamponnages magnifiques, des couleurs cuivrées, une découpe extraordinaire. Donc là, je l'ai fait avec la collection Éloquence Simple. Je vous la montre quand même, cette collection, rapidement. Regardez-moi ça. Vous avez ici le détail, en fait, de tous les papiers design. Tiens, je fais une petite aparté. Vous avez vu, je suis en bas, là. Maintenant, je suis passée
Je suis passée en bas. Du coup, vous me voyez toujours, mais je prends un petit peu moins de place sur l'écran. Donc là, ici, en haut, hop, là, vous avez donc le code hôtesse du mois. Et puis ici, en bas, il y a moi. Parenthèse fermée. Donc le papier design de la collection Éloquence Simple, elle est vraiment magnifique. Coucou Chantal et Jean-Luc, j'espère que vous allez bien. Ici, vous avez une présentation globale de tous les papiers avec le côté recto et le côté verso. Vous remarquerez que tous les côtés recto sont brillants. Du doré, du cuivré, vous voyez. Regardez, je vais vous approcher ça un petit peu mieux. Le temps que le zoom se fasse, voilà. Donc tous les rectos en fait sont brillants. Soit en doré, soit en cuivré, soit en argenté. C'est vraiment magnifique. Cette collection, je l'ai déjà proposée, enfin présentée donc à mes portes ouvertes virtuelles. C'est top la technologie quand ça fonctionne, ouais, je suis bien d'accord. Donc j'ai montré plein de techniques d'utilisation de ce papier, il y a plein de choses. Il y a toujours les replays si ça vous dit de les voir. Je crois que les participants ont bien apprécié, je leur permets en fait d'aller dans plein d'endroits possibles avec chacune des collections. Et du coup, voilà. C'est demain ma routine, la suite, le quatrième épisode, hein. C'est pas ce soir ma belle. Oui, Vivi Magnolia, le kit échantillon va bientôt arriver. Je suis encore un petit peu en attente de matériel, mais je vous assure, je suis dans les starting blocks. Voilà, je suis dans les starting blocks. Donc voilà, ce papier vraiment magnifique. Vous le savez, une collection est toujours accompagnée de tamponnage et de poinçons. Voilà, donc ici, vous avez la présentation donc des tamponnages. On a tous fait une liste de la fête des mères dans le catalogue. Ah, ça, j'aime bien l'idée. Bah, au moins, c'est des cadeaux qui font plaisir aux mamans, on est bien d'accord. Ah oui, la collection, ça sera une surprise. Oui, effectivement, je présente à chaque fois une collection différente et je ne la dévoile pas avant. C'est la surprise à chaque fois. Donc voilà, c'est magnifique tamponnage. Petite info, vous voyez là, le tamponnage bordure, il fait 12 cm de long, si ça peut vous aider. Des souhaits qui sont, des sentiments qui sont en français. Et une magnifique, ici, un magnifique design. Regardez-moi ça, cette dentelure qui est juste extraordinaire. Ici, la fleur peut être embossée, elle peut être colorisée avec des Stampin' Write, avec les brosses à éponge, avec les brosses à estompe et les doigts à éponge, pardon. Excusez-moi. Donc voilà, et bien sûr, cette fois, nous ne parlons pas poinçon, mais nous parlons perforatrice. Et je suis sûre que vous l'avez déjà vu passer, cette fameuse perforatrice. Elle est extraordinaire. En fait, elle vous permet tellement de techniques différentes, c'est incroyable. Bonjour Viviane, bonjour Claude, comment ça va? Coucou Dominique. Liste la fête des mères, anniversaire, Noël, oui, tout. La fête des saints aussi, hein, ça peut le faire ça. Hein. Donc la perfo, vous voyez, et encore, hein, ça c'est un exemple non exhaustif de ce qui est possible de faire. Mais vous voyez, vous pouvez adapter, faire des tags complètement différents. Tout ça, c'est fait avec une seule et même perforatrice. Donc ça, c'est génial. C'est comme si vous aviez un set de poinçons avec plein de poinçons dedans. Bonjour Nadine, bienvenue. Mais en fait, vous n'avez là qu'une seule perfo. Et du coup, voilà. Oui, ma petite Mumu, t'inquiète pas. Claude, ça bug, je suis désolée, il y a des problèmes de réseau. Peut-être reconnectez-vous et ça marchera peut-être pas trop mal. Moi, j'ai un retour vidéo pour l'instant, ça tient à peu près, donc on croise les doigts. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez avoir plein d'infos sur cette perfo, je vous invite. Merci Ingrid, tant mieux, je suis contente que ça passe pour vous, c'est top. Et bien voilà, il y a le replay hein, sur le groupe des portes ouvertes où j'explique un petit peu tout ça. Allez, c'est parti, cette fois on passe à la carte. Il vous fallait un morceau de papier uni de 24,7 par 10,2 qui sera simplement la base de la carte et c'est là-dessus que nous allons travailler puisque tout le reste en fait ça sera de la déco avec le papier design. Donc vous allez voir pourquoi je vous ai dit que c'était très rapide et très facile à faire. Et aujourd'hui,
je ne vais pas travailler avec Éloquence Simple, je vais travailler avec une collection qui est toujours disponible, qui fait partie du mini-catalogue janvier-juin 2021 et qui n'a pas encore disparu. Non, non, il est encore là et bien là. Et cette collection-là, elle est trop chou, elle est trop mignonne, elle est adorable. Donc, si vous avez eu un coup de cœur pour cette collection, ne tardez pas. Vraiment, essayez de l'acquérir avant les liquidations pour être sûr de l'obtenir. Donc, les liquidations, elles arrivent très très vite, hein, bientôt au mois de juin, là. Bonjour Nathalie, bienvenue. Donc voilà, si c'est un coup de cœur pour vous, si vous avez des coups de cœur dans ce mini catalogue janvier-juin 2021, n'attendez pas forcément les liquidations au risque d'être déçu, d'avoir des choses qui vont disparaître à une vitesse affolante. Et ce n'est autre que la collection de Plis en chemin. Vous le savez, j'adore ces petits escargots. Ils sont tellement craquant, on en fait tellement plein de choses. J'adore, c'est tellement joyeux, pétillant. Vraiment, j'adore cette collection. Donc j'avais envie, coucou Tulipe, bienvenue. Oh, Rachel, pardon, à chaque fois. Hein. Bonjour Silo. Voilà, je me suis dit que voilà, j'avais envie de travailler avec ça, histoire de se rappeler qu'on a encore des petites merveilles qui sont dispo. Donc collection Plis en chemin, les beaux escargots. Toujours, oui, il va disparaître, hein, bien sûr. C'était 6 mois dans le mini-catalogue, Nati. Oui, c'est frais, c'est rigolo, ah ouais, tout le monde l'adore, cette collection. Donc du coup, le deuxième coup de cœur de Cathy, bah, c'est même pas fait exprès, tu vois, celle-là, je le savais pas. donc voilà, si c'est vraiment un coup de cœur pour vous, que vous avez encore hésité, etc., là, effectivement, ne tardez pas, n'attendez pas les liquidations, parce que vous risquez d'être déçus, puisqu'effectivement, cette collection, elle a beaucoup plu à beaucoup, beaucoup d'entre vous. Ah, Nati, oui, il va peut-être falloir que tu y penses, effectivement. Vous avez, vous le savez, les tampons et les poinçons, voilà, qui permettent de s'éclater. Vous imaginez toutes les belles choses que vous pouvez faire avec ça. Et ben du coup, voilà, vous avez ici la présentation. Voilà, voilà. De toute façon, vous le savez, sur mon blog, et pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, sur mon blog, à la fin du live, vous retrouverez le replay de cette vidéo, la fiche technique pour réaliser donc la carte, et également la liste de tout le matériel que j'ai utilisé donc pour la carte ici que j'ai présentée, pour celle que je vais faire en même temps que vous. Et puis, évidemment, le lien pour vous rendre directement sur ma boutique en ligne, en n'oubliant pas donc, hop, de mettre le code de test pour recevoir un petit cadeau de ma part le mois prochain. Alors, c'est parti, on y va pour cette petite carte qui, comme je vous l'ai dit, va être très rapide à faire. Donc, le morceau de papier uni, 24,7 par 10,2. Est-ce que mes chippies sont là? Est-ce qu'elles sont prêtes? Est-ce qu'elles sont en forme? Quel bonheur de voir vos commentaires, vous imaginez pas. Alors, j'ai perdu mon papier. Non, il est là. Voilà. Donc, le papier uni que j'ai pris aujourd'hui, fleur de cerisier, pour être coordonné donc avec les papiers design que j'ai choisis de la collection Plis en chemin. Donc, je rappelle une dernière fois, 24,7 par 10,2. Ma petite Laurence, je te conseille de te déconnecter et de revenir. Parfois, ça relance un peu les choses et du coup, c'est top. Tu fermes carrément l'application Facebook et tu reviens tranquille. Ça marche? C'est l'hécatombe chez les chippies, je recrute. Bah oui, je sais, il y en a plein qui peuvent pas être là. Ouais, bah oui, il me manque. Hein. Mais merci, tu es très gracieuse toi aussi. Claude, j'ai raté un épisode. Alors, c'est parti. Nous allons commencer par les plis et ensuite nous viendrons faire la petite découpe ici. D'accord? Alors, pour ce qui est des plis, je prends mon papier sur la partie la plus longue et je le mets hop en haut de mon coupe-papier. Je pense que tu rentres déjà dans les critères, Emilien. C'est, mon avis, c'est bon. Je positionne mon papier et je viens faire un premier pli à 7,6. Merci Claude, c'est gentil. 7,6 cm.
Ah, tu vois, Laurence, je savais que ça allait fonctionner. Je suis ravie. Nati, elle est au taquet. 7,6. Le deuxième à 13,3. Attendez. Je vous ai fait faire une bêtise. On arrête tout et on recommence. Bougez pas. J'ai fait une bêtise. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut commencer. Oh, bah, il y a encore des imbéciles. Hop. Allez. Je reprends mon papier. Vous allez voir. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on va faire les plis après. Il faut qu'on fasse une mesure avant. Oh, voyons. Eh ben, il y a du monde hein, sur le live, hein, je vous dis pas. Hein. Alors, hop, on s'emballe pas. 10,2 par 24,7. C'est parti. Hop, ça m'apprendra à pas lire correctement mes notes. Non, ma petite Lily, eh ben, voilà, elle vague un petit peu à ses occupations. Voilà, elle est pas très très loin. Plus je les bloque et puis ils reviennent. Ouais, Mumu, je suis d'accord. Et allez, encore un. Alors, on va d'abord faire des marques sur notre papier. D'accord? J'ai donc mon morceau de papier ici, 10,2 par 24,7. Vous allez voir, c'est très simple. D'accord? Alors, ici, je viens depuis la gauche vers le centre, me faire une petite marque à 3,8 cm. D'accord? 6, 7, 8. Juste une petite marque. Ok? Ensuite. Laetitia, je suis assez d'accord. Je viens ici. Faire une deuxième marque à 7,6 cm depuis le haut vers le bas. Ok? Donc d'abord 3,8 depuis la gauche vers le centre. Et ensuite, ici, je viens sur la marque que j'ai faite, faire une autre petite marque à 7,6 cm. Ok? Pour l'instant, rien de compliqué. Et ma règle est trop petite. Donc je vais prendre l'autre. Et ensuite, pour finir, je viens faire une troisième marque. Depuis le haut vers le bas. Hop. À 19 cm. Ok, donc on se retrouve, je répète, avec une petite marque faite, hop là, depuis la gauche vers le centre à 3,8. Ici, depuis la marque que l'on vient de faire, on descend à 7,6. Et une autre marque à 19. Ok, pour vous aider à cela, ne bougez pas, regardez, vous avez le schéma à l'écran. Voilà, comme ça, ça va vous aider donc à comprendre le principe qui n'est pas compliqué du tout, vous allez voir. Bien, maintenant que nous avons fait ça, nous allons pouvoir cette fois faire nos plis. Alors, on y va. Je reprends mon coupe-papier. Hop. Vous savez, hein, ce schéma, vous le retrouverez donc dans la fiche technique. Technique, pardon. C'est dur à dire. La fiche technique. Sur mon blog. Sandrine, elle se cache. Alors,
je viens reposer mon papier sur mon coupe-papier. J'ai au plus bas ici la petite marque que je me suis faite à 3,8. D'accord ? Si, si, elle est là, Sandrine. Ok ? Drin, drin, tout le monde te cherche, hein ? Manifeste-toi ! Je viens, hop, me mettre à 7,6 et vous allez voir qu'on va tomber sur la petite marque qu'on a faite ici. D'accord ? Je vais venir faire un pli, mais par contre, je vais m'arrêter à cette marque que j'ai faite ici. D'accord ? Hop, je fais un pli et je m'arrête à la marque que j'ai faite ici. Je viens faire un autre pli à 13,3 et cette fois, je fais mon pli hop, de haut en bas. D'accord ? Donc le premier pli à 7,6, je m'arrête à la marque que j'ai faite ici. Je passe à 13,3, je fais un pli de haut en bas. Et maintenant, je vais à 19 cm. D'accord ? Et cette fois, je vais démarrer mon pli à la marque que j'ai faite. Je ne le commence pas depuis le haut. Je fais ce pli hop, jusqu'à la marque. Donc 19 cm, hop, et juste ici. Coucou Marie, comment ça va? Ok, donc on se retrouve avec un pli ici qui ne va pas jusqu'en bas, un second qui prend de haut en bas, hop, et un troisième qui débute à la marque et qui va en bas. D'accord? Je vous remets... Hop, bougez pas... Je vous remets à l'image quelques secondes le schéma. Ingrid, il n'y a pas de souci. À la limite, quand vous regardez mes lives, si vous voulez, je vous propose de juste les regarder et puis de les refaire après tranquillement. Ça marche ? Alors Nati, en fait tu dois pas voir les commentaires de Sandrine, mais elle est bien là pourtant, c'est assez curieux. Et puis on a toujours ces fichus imposteurs là, c'est pénible. Hein, ok, alors on continue. Donc là, par rapport à la petite coupe qu'il va falloir faire ici, deux solutions. Soit vous êtes à l'aise avec votre coupe papier. Dans ces cas-là, il vous suffit simplement de vous mettre à 3,8. Hein, d'accord ? C'est la petite marque qu'on a faite tout à l'heure. Ok ? Et on va venir couper entre... Alors, attendez, hop. Je vais faire en sorte que vous voyez mieux. Voilà. Hop. Donc, je place mon papier... à 3,8, souvenez-vous, hein, c'est la petite marque qu'on s'est faite ici en premier, d'accord ? Et on va venir couper entre le deuxième point ici et celui-là, donc celui de 7,6 à 19 cm. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre coupe papier, c'est pas compliqué, vous venez simplement avec un cutter, placer votre règle et vous coupez au cutter entre les deux points que nous avons fait ici. Excusez-moi. Donc, hop. Donc, je m'assure d'être bien à 3,8. Voilà. Et je viens couper. Je m'arrête bien hein, au pli que j'ai fait ici en bas. Hop. Voilà. Et pareil, je m'arrête bien à la ligne de pli ici. Hop. Et voilà. Eh bien là, mesdames et messieurs, je vous informe que votre carte, elle est faite. Voilà. Ok ? Donc, très simple. Maintenant, on va venir simplement marquer nos plis, effacer nos petites marques que nous avons faites au crayon, et on va pouvoir s'amuser à faire la déco. Voilà. Alors...
Coucou ma belle, comment tu vas? Voilà, on efface ça. Ça c'est bon. Et du coup, on vient marquer nos plis. Donc, hop, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Et voilà. Mais oui, Gaëlle, t'as vu, elle est super facile à faire. Une fois qu'on a compris, qu'on a vu le premier truc de pli et de coupe, en fait, c'est super simple. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. J'espère que ça va pour tout le monde. Dites-moi, dites-moi. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. N'hésitez pas à vous amuser avec les emojis pour que je puisse me rendre compte si ça va pour vous, si vous suivez, si ça vous plaît, ce que vous en pensez. Voilà. Donc là, bah, ça y est, on a notre base de cartes. En fait, maintenant, il suffit simplement de venir s'amuser avec la déco. Donc, je vous remets ici. Hop, si je la mets comme ça, vous l'apercevez. Pas très bien, mais bon, hop, tiens, voilà, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Il nous faut du papier design pour décorer en fait. Oh, il y a plein de petits cœurs. J'adore, je ne les avais pas vus. Il y a des moments comme ça où ça sort tout en même temps. Et du coup, il y a une pluie de petits cœurs qui, comme des bulles de savon. C'est trop cool. Dominique, super simple, je vais pouvoir la refaire rapidement. Mais oui, il ne faudra pas hésiter du coup. Puis du coup, surtout si vous la faites, pensez bien à, quand vous la publiez, mettre le hashtag Harmony Scrap. Comme ça, moi, je suis notifiée et du coup, je peux voir un peu ce que vous avez fait. Ça me fait trop plaisir. Je voudrais que vous voyez, il y a plein de petits cœurs partout, c'est trop cool. Alors, je prends tous les papiers que j'ai préparés. Hop! Pour la déco, donc je vous l'ai dit, hein, je travaille avec les escargots aujourd'hui. Voilà, donc ça, je les ai, vous le savez, ancrés avec la Memento. Et puis colorisés avec mes chers et tendres blends que j'aime tant. Vous le savez, hein, je les adore. Donc là, voilà, j'ai colorisé déjà pour pas vous faire perdre trop de temps. Et puis heureusement, hein, dis donc. Donc ça, je vais le mettre à l'avant de ma carte. Hop, ma petite enveloppe, je vais voir après. Voilà. Et du coup, je vais venir faire toute cette petite déco. Donc, pour le rappel des mesures, c'est aléatoire. Disons que vous allez pouvoir adapter. Je l'imaginais bien plus difficile à faire. Ben non, Annette. Ah, ben alors ça, je suis contente. Du coup, ça veut dire que vous allez la reproduire et vous allez passer un bon moment à la faire. C'est super. Donc, j'ai utilisé moi ici du papier blanc pour mettre le sentiment ici et ici. Si vous avez envie de mettre du papier design partout ou du papier blanc partout, alors là, libre à vous, hein, d'accord? C'est à titre indicatif. Coucou Sandrine, comment ça va? Donc, pour ce qui est de mes papiers blancs, ça vous aidera pour reproduire. Ici, c'est 5,1 par 5,9 et ici, 5,2 par 3,3. D'accord? Vous inquiétez pas, vous allez retrouver toutes ces mesures. Hein, d'accord? Le joyeux anniversaire. Celui-ci, c'est dans Sable et Mer, ma petite marotine. Comment j'ai découpé l'escargot avec le carré dentelé? Eh bien, le carré ici, il est dans le set de poinçons des escargots. Je te remontre ça, regarde. Le carré dentelé, il fait partie en fait des poinçons qui va avec la collection. Tout simplement. Quand, Sandrine, je te vois. Voilà. Et puis après, les escargots, bah, je les ai eu pareil, découpés avec les poinçons. Et puis je suis venue coller dessus. Voilà. Alors, pour les papiers, je répète. 5,1 par 5,9 pour le papier blanc ici et 5,2 par 3,3 ici. D'accord? C'est peut-être parce que vous n'êtes pas amis sur Facebook, Nati et Sandrine. C'est peut-être pour ça que vous ne vous voyez pas.
Ensuite, le papier design, il vous faut différentes mesures. Je vais vous les citer, d'accord? Mais vous les retrouverez tranquillement après si vous n'avez pas de soucis, Françoise, coucou. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer vos papiers design après, posez-vous tranquille, d'accord? Vous retrouverez les mesures, si vous êtes très pressé, dans la fiche de l'événement de ma page Facebook, d'accord? Et si vous patientez quelques minutes à la fin du live, vous retrouverez toute la fiche technique, d'accord? Je vais vous montrer, regardez. Hop, je vais vous la mettre là. Voilà. Vous allez avoir tout ça qui va être à votre disposition sur mon blog, d'accord? Donc vous aurez toutes les mesures, vous aurez les schémas et tout, donc pas d'inquiétude, d'accord? Les papiers design, il vous en faut un de 7,1 par 5,9. Merci beaucoup Sandrine. Ah bah Vivi, Magnolia, vous pouvez, Viviane, vous pouvez aussi la décorer à l'intérieur si vous voulez. Hein. Bien sûr, aucun souci. Aucun souci. Donc 7,1 par 5,9. Ensuite, 12,8 par 3,3. Je vais récupérer mes papiers en même temps. Hop, voilà. Il vous en faut un de 5,2 par 5,9 et un de 5,2 par 9,7. D'accord? Mais vraiment aucune inquiétude, vous allez tout retrouver sur le blog, ne vous inquiétez surtout pas. Mon papier blanc ici va venir ici. Ah bah écoute Laurence, il n'y a pas de souci, tu sais, c'est vraiment les goûts et les couleurs, voilà, tu n'es pas obligé de l'aimer du tout, puis je suis sûre qu'il y a plein d'autres collections qui te plaisent. Ça se saurait si j'étais amie avec toutes les abonnées. Et je pensais à l'autre Sandrine, c'est qu'il y a plein de Sandrine en fait. Hop, regardez ça. Voilà comment j'ai décidé de monter ma carte. Voilà, ça va venir sur le dessus. Hop, et je vais venir, je pense, peut-être après coller ma petite enveloppe ici. Et voilà. Et on vient simplement coller notre papier design. Et puis là, du coup, on adapte hein, vraiment avec ce qu'on a, avec ce qu'on veut, et puis avec dans le sens qu'on veut. Et puis si on veut décorer l'arrière, il n'y a aussi aucun problème. D'accord? Faites-vous plaisir. À partir du moment en fait où vous avez la base là, c'est très très simple. Après, vous pouvez vous éclater et puis adapter les papiers comme vous voulez, du blanc, du tamponnage, du papier du design uniquement. Vraiment, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Hop, donc voilà, je viens simplement coller maintenant mes papiers. Tout bêtement. Voilà. Hop. On alterne si on veut. Voilà. Hop, un petit peu de tamponnage d'un côté, du papier design de l'autre. Et voilà. Coucou Fabienne, oui, pas de soucis, bon courage. Profite de ta pause du coup. Voilà, vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Alors vous voyez, ces papiers-là, je les ai découpés en deux. Du coup, il y a une continuité ici qui se passe. Je trouve ça assez sympa. Ici, je vous l'ai dit, hein, je vais hop mettre ça en déco. Je vais me coller avec des dimensionnels. Voilà, mon petit tamponnage. Ma petite étiquette de joyeux anniversaire. Voilà, donc là, je vais voir un peu comment je la colle. On va peut-être venir un petit peu par-dessus. Ou je peux même le mettre là.
Oui, pourquoi pas, ça va changer un peu. Hop, allez, c'est parti. Non, la perfo, elle est très très facile à utiliser. Merci Fabienne, bon courage jusqu'à ce soir. Alors, mes dimensionnales sont ici et c'est parti. Je viens coller, hop, par l'arrière, mon petit escargot. Alors, on se trompe pas d'endroit. Hop, voilà, je vais la laisser un petit peu en suspension, je trouve que ça fait sympa. Hop, et voilà, on arrive au bout. Ah bah ouais, tu m'étonnes Nati, je suis sûre que ça te plaît toi celui-là. Hop, voilà, pas forcément centré hein, du coup, hop. Et voilà, et du coup ma petite étiquette, je vais venir coller aussi avec mes dimensionnales. Et voilà, bien sûr vous pouvez ajouter plein d'autres décos, hein. Vous faites vraiment ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie d'utiliser, les couleurs, les tamponnages, les embellissements, faites-vous plaisir, ça c'est sûr. J'ai l'impression de me faire une conversation en sous-marin, un groupe dans un groupe. Ben, je comprends pas pourquoi. On va régler tout ça. Allez, hop, mon petit sentiment ici. Et voilà. Alors, ça change complètement, on est d'accord, hein, par rapport à Éloquence Simple. Hein. Ça, j'en conviens parfaitement. Mais c'était un petit peu fait exprès, parce que du coup, je voulais vous montrer qu'on peut donner des univers complètement différents à nos créations selon les collections de papier qu'on utilise. Et c'est ça ce que j'aime, en fait. Et puis, du coup, l'autre avantage aussi, c'est que les collections sont tellement coordonnées avec les papiers unis que du coup, bah, on n'a aucun problème, pas de risque de faute de goût par rapport aux couleurs. Là, on est tranquille. Donc voilà, voilà, ici, donc la deuxième, avec le petit message ici derrière. Hop, toute simple. Vous avez vu? Donc ici, on a le super escargot sur sa petite étiquette, voilà. Et hop, ça s'ouvre, et on découvre ici l'autre petit message. Voilà, ici aussi, hein, j'avais colorisé avec les blends. Donc vous voyez, deux univers complètement différent avec pourtant la même création, exactement la même. Hop, voilà, voilà, ça y est, la carte est finie. J'espère que ça vous aura plu. Alors dites-moi, est-ce que, je sais, hein, d'après ce que j'ai compris dans vos commentaires, il y en a qui pensaient que cette carte était très compliquée à faire. Et puis finalement, hein, vous voyez que du coup, non, pas du tout. C'est très simple et du coup, on peut en faire plein. Et puis encore une fois, avec plein d'univers différents. Donc ça, je trouve ça super sympa. Voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas, que vous aurez passé un bon moment. Moi, ça m'a fait un bien fou de vous retrouver, vous pouvez pas savoir, de pouvoir voilà, vous voir échanger. Bon, effectivement, il y a quelques petits bugs hein, dans les commentaires, mais on va régler ça, ça c'est sûr. Il y en a plein qui n'ont pas pu venir, mais je sais qu'ils vont me faire un petit coucou quand ils vont regarder le replay. Merci Sandrine, merci Nathalie. Coucou Sandrine, coucou. Ah, super. Facile, ouais. Mais je préfère la première. Pas de soucis, Viviane. Ah, merci Claude, c'est trop gentil. Bon, bah, je suis contente parce que du coup, ça a eu l'air de vous plaire. Moi, j'ai hâte maintenant de voir vos belles créations, ce que vous allez faire derrière. Donc, n'hésitez pas, partagez-les avec le hashtag HarmonyScrap, que je puisse les voir. Moi, je vais aller finir de charger donc ce replay pour pouvoir vous le mettre à disposition sur le blog ainsi que la fiche technique. D'accord, vous allez voir, vous allez tout trouver, ça va être super cool. Vous allez pouvoir la refaire sans aucun problème. De rien Annette, avec grand plaisir, grand plaisir. Oui, ma routine, c'est vrai, la semaine a été très longue, je suis bien d'accord. Merci Sophie, c'est adorable. N'oubliez pas du coup hein, la promo démonstratrice. Oui, je mets sur mon blog, hein, y a pas de souci, Claude.
Aucun problème. Oui, n'oubliez pas, hein, si vous voulez profiter donc de la promo là qui est disponible jusqu'au 31 mai, n'hésitez pas. Puis si vous avez envie d'avoir des infos, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous répondre. D'accord? Ça marche? Allez, je vous souhaite un excellent après-midi. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour plein de nouvelles aventures. Demain, le quatrième épisode. Samedi, le tirage au sort du Sunday Challenge. Et le prochain projet de la semaine prochaine. Dimanche, le nouveau challenge. Voilà, plein plein de belles choses. On va se retrouver et moi, ça me fait trop plaisir. Allez, je vous embrasse, bon après-midi, merci à toutes et à tous d'avoir encore été présents cet après-midi et je vous dis à très bientôt. Ciao!